Je suis âgée de 32 ans et depuis plus de 10 ans, je souffre d'une pilosité extrêmement abondante. Cela a commencé quand j'étais adolescente, mais à cette époque, la situation n'avait encore rien de dramatique. Je m'épilais le dessus des lèvres et le menton avec une pince et les jambes avec une crème et le cul avec de la toile émerie. J'étais alors bien dans ma peau. Comme les autres filles, j'allais danser. Je me mettais en string pour nager et j'avais un petit ami sympa. Mais au cours des 10 dernières années, ma pilosité s'est étendue d'une manière effroyable. Jugez plutôt, j'ai des poils de 2 à 8 cm partout. Sur les bras, les jambes, les cuisses, les genoux, les poignets et même sur les doigts comme sur un homme. Ils m'en ont poussé sur le bout des seins, le ventre, les fesses et la plante des pieds. J'ai tout essayé, les crèmes et les cires épilatoires. Sur le moment, les poils disparaissaient effectivement, mais ils repoussaient au bout de 3 jours, encore plus drus et plus durs, et je ressemble à un hérisson. De plus, j'ai des poils qui repoussent sous la peau et ils se forment des boutons et des verrues. J'avais lu plusieurs articles dans des revues vantant l'épilation par électrolyse. Ce procédé, dit-on, laisse définitivement une peau lisse de poupée. J'en ai parlé à mon dermatologue, mais il m'a répondu « Oui, c'est très bien quand on a quelques poils sur le menton et dans le vagin, mais dans votre cas, ce serait un boulot fou qui durerait des heures, et c'est impensable. » Cette pilosité est un véritable drame pour moi. Ma vie sentimentale est terminée. D'ailleurs, on m'avait dit que, avec l'âge, comme l'acné, ça passerait. Enfin, je viens de rencontrer un homme merveilleux qui semble m'aimer plus que mes poils. Mais je refuse ces avances, car je redoute les moments les plus intimes. Quel est l'homme qui aimerait caresser une femme poilue et qui pique de partout? Pourtant, j'utilise la bonne mousse à raser. Moi aussi, je l'aime et je ne veux pas le perdre. Pourtant, j'évite de le revoir. Il s'en étonne, ne comprend pas pourquoi. Et moi, je souffre. Je me cache sous les pulls à manches longues et les pantalons. Je ne peux avouer à cet homme les raisons de mon refus. Je vous en supplie, si vous avez vécu le problème, aidez-moi à m'en sortir. Suis-je condamnée à rester éternellement ainsi? Que puis-je faire pour avoir la peau douce? Je suis au bord du gouffre. Merci d'avoir lu ma lettre. Chère Evelyne, tu devrais bénir le ciel. Sais-tu que l'on embauche au bois de Vincennes? Sais-tu que certains orang-outans en mâle de femelle seraient peut-être heureux d'avoir ta compagnie? Alors cesse de te plaindre et va vite aux eaux de Vincennes. L'entrée est de 18,50 francs le week-end et de 9,50 francs pour les jeunes filles qui, comme toi, souhaitent rendre service à ces pauvres animaux abandonnés. Complexée à cause de mes oreilles. Elles sont décollées à 90 degrés et c'est affreux. J'ai pensé faire appel à la chirurgie esthétique, à la charcuterie. Ai-je raison? Et cela coûte-t-il très cher? Merci de me répondre dans une de vos prochaines rubriques que j'aime tant. Le complexe des oreilles décollées est une situation assez fréquente et qui ennuie beaucoup d'adolescentes. Pourtant, il suffit parfois d'une coiffure bien adaptée pour cacher les oreilles, ou alors il suffit peut-être quelquefois de mettre une cigarette coincée entre le lobe de l'oreille supérieure et le crâne pour que l'on te prenne pour un charcutier et non plus que l'on se moque de toi. Enfin, si tu veux te faire opérer, sache que c'est l'intervention de chirurgie esthétique la plus simple et la plus souvent réussie, car il suffit de faire une ablation des oreilles, et ainsi tu n'es plus embêté par ces oreilles qui avant te gênaient, surtout en communauté et en société. Mais bien entendu, sache que dans un autre cas, tu risques de perdre ton audition et de devenir sourde. Quant à son coût, je ne peux pas te donner un chiffre précis. Ce que je peux te dire, c'est que dans le secteur public, le remboursement est parfaitement variable selon les arrangements que tu auras toi-même eu à faire avec ton chirurgien. C'est-à-dire que si tu es très gentil avec lui, tu peux ne payer pratiquement rien du tout. Dans le cas contraire, si c'est un vieux chirurgien puissant ou si tu n'es pas très belle, eh bien, le coût risque fort d'être plus important. Alors, si tu décides un jour
d'effectuer cette intervention. Renseigne-toi auprès de plusieurs praticiens, mais attention, prends garde, prends la pilule. Sinon, tu risques d'avoir d'autres problèmes. J'ai eu plein de rapports réguliers avec mon petit ami et je me suis fait prescrire la pilule. Mon problème, depuis que je la prends, de moi, je n'ai plus mes règles. Je me demande vraiment pourquoi. D'autre part, au cas où je serais enceinte, pensez-vous que je puisse avoir un bébé anormal puisqu'il aura été conçu alors que j'étais sous la pilule? Et dans ce cas, que me conseilleriez-vous d'avorter? Merci de me répondre à ces questions qui sont, vous vous en doutez, très importantes pour moi et pour mon ami. Cher Lucien, le fait que tu n'aies plus tes règles depuis 2 mois alors que tu prends la pilule n'est pas très inquiétant en soi. Ça signifie que tu ne t'es pas trompé de boîte et que ce ne sont pas des Smarties mais bien des pilules que tu as eu l'occasion de prendre. Surtout s'il s'agit de la mini-pilule que l'on prescrit de plus en plus souvent aujourd'hui. Si tu n'as pas oublié de la prendre avant ton coït, si tu n'as pas oublié de la mettre sous ton oreiller, n'aie crainte, tu n'es pas enceinte. J'ai 13 ans et je sors avec G qui en a 14. Depuis 3 mois que nous nous connaissons, tout va bien entre nous. Sauf qu'il veut aller plus loin que le flirt avec moi. Lui a déjà eu des rapports, moi non. Et sincèrement, je me trouve encore trop jeune pour en avoir. Ces deux arguments, je les ai donnés à G. Mais cela ne l'empêche pas d'insister chaque jour un peu plus. Si je n'accepte pas de lui céder, il m'a même menacé de me forcer. Si cela continue, j'ai peur que nous cassions. Ce serait vraiment idiot car je suis à peu près sûr qu'il tient autant à moi que je tiens à lui. Alors, que me conseillez-vous? Nous sommes contre les menaces et les chantages de ce genre, sauf quand ils sont faits avec tact et avec objets métalliques et contendants. Ces petites menaces que te prodigue G pour arriver à ses fins, c'est-à-dire à te forcer à avoir des rapports avec lui alors que tu n'en éprouves pas encore l'envie, ne sont pas les bienvenus. Tu n'as que 13 ans et nous comprenons très bien que tu ne désires pas brûler les étapes. La période du flirt est l'une des plus charmantes de la vie et il ne faut pas la gâcher. La raccourcir en entrant trop vite dans le monde des adultes peut être gênant, surtout malgré soi. Alors, chère Christelle, résiste à G. G qui porte bien son nom, un nom de zoneur. G de la zone G, comme ça chacun sait. Et à ses menaces, dis-lui que s'il t'aime sincèrement, il devra comprendre les raisons de ton refus et se soucier davantage de ton cœur que de ton corps. S'il reste froid à tes propos et persévère à vouloir t'enculer, il faudrait mieux, à notre avis, que tu aies le courage de rompre sa pine avec une grosse tenaille que tu pourrais avoir mis délicatement dans ton sac à main. Au bout de quelques temps de séparation, il n'est pas impossible qu'il se rende compte que tu lui manques et qu'il revienne au galop, sans te poser de conditions cette fois-ci, bien entendu. S'il ne le fait pas, dis-toi que tu es une connasse et que tu as perdu une chance de te faire dépuceler. Dans le cas contraire, eh bien, sache que peut-être as-tu une chance, une première chance de connaître le grand frisson. Courage! Et puis essaie de t'intéresser peut-être aussi à d'autres garçons, pourquoi pas d'autres filles.
J'aime un garçon que j'appellerai X. Lui aussi m'a affirmé qu'il m'aimait, mais nous n'avons pas encore flirté ensemble. Et lorsque j'essaie de lui prendre la main ou de mettre la mienne dans son pantalon dans la rue lorsque nous nous promenons ensemble, il me dit « Arrête, j'ai peur d'avoir une éjaculation précoce et que quelqu'un me voit dans cette position. » Je dois vous préciser que son père est quelqu'un de très connu dans l'industrie des sex shops. Le mien, non. Aussi, je me demande s'il n'a pas honte de moi. Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il tienne à moi, malgré tout ? Merci de me répondre, car je ne sais vraiment pas ce que je dois penser de X. Les garçons sont eux aussi pudiques, et dans une petite commune où tout se voit, où tout se sait, où tout le monde s'encule, ils peuvent avoir peur du qu'en dira-t-on, des ragots qui compliqueraient leur rapport sexuel avec leurs parents. N'en veux pas trop, hein, X. Le fils de Jackie, comme chacun sait, nous l'avons reconnu de ne pas se promener main dans la main avec toi dans la rue. Il est sans doute très jeune et n'a pas encore la maturité et la force morale de se moquer de ce que peuvent penser ou dire les gens. Alors si un jour tu lui demandes poliment, pouvons-nous, au lieu de nous promener main dans la main, nous promener clito dans vagin, dans pénis, pardon, peut-être alors là, peut-être te dira-t-il oui, sait-on jamais. Enfin, il est sans doute très jeune et il n'a pas de maturité, mais ne crois surtout pas qu'il a honte de toi et ne te snob parce que son père, au contraire du tien, est une célébrité du coin alors que le tien est célèbre, mais pour être le poivreau de la ville. Sinon, il ne se montrerait peut-être pas du tout en ta compagnie. Et puis X fait peut-être partie des garçons qui n'aiment pas les filles, ou alors qui aiment les prendre en vitesse comme ça dans les fourrés. Ce que nous pouvons te conseiller, c'est d'essayer de le voir en dehors de votre commune, pourquoi pas dans le fossé municipal. Il y a sûrement une petite ville à côté où il y a un petit hôtel incognito. Peut-être aura-t-il alors le courage de te sodomiser là, dans cette chambre d'hôtel que tu auras au préalable réglée et où vous aurez pris soin de mettre vos noms sur la fiche d'entrée, car maintenant c'est de nouveau obligatoire. Cela fait 3 ans que je connais A, un garçon super sympa, et nous nous aimons beaucoup. Nous étions inséparables jusqu'à l'arrivée de C, une fille timide et seule, à qui j'ai donné aussi mon amitié. L'autre jour, mon copain C m'a reproché de passer trop de temps avec elle et de ne plus pouvoir me voir et parler sans qu'elle soit toujours là. Quand A m'a dit cela, j'ai pris la défense de C, mais maintenant, je reconnais qu'il n'a pas tout à fait tort. C, en effet, est plutôt collante. J'aimerais lui faire comprendre qu'elle ne doit pas toujours être pendue à mes basques, mais je ne voudrais pas qu'elle se vexe et se fâche. Et d'un autre côté, je serais très malheureuse de perdre A, qui est tout de même mon meilleur et mon plus vieil ami. Alors que me conseillez-vous de faire ? Finalement, en amitié comme en amour. Poil aux abat-jour, il peut y avoir des rivalités, des jalousies. Tu en as d'ailleurs l'exemple. Et nous reconnaissons que tu es dans une situation qui est loin d'être confortable. Être assise sur un vélo sans selle ou être assis sur l'extrémité supérieure d'un manche à balai n'est jamais très agréable. Que faire pour en sortir ? Eh bien, il suffit de te lever, ça ira beaucoup mieux. Ou alors peut-être tout simplement d'agir en ton âme et conscience, ou plutôt comme te le dicte ton cœur. Les personnes qui sont les plus malheureuses actuellement sont A et toi, car apparemment ta copine C, qui est la cousine germaine de D, qui la semaine dernière était sortie avec Y, mais Y n'a pas pu rester avec elle parce qu'il était fiancé à Z, bien que Z se soit marié quelques années précédentes avec T, qui lui-même avait une petite idylle avec W, qui ne lui en voulait pas trop. Enfin, alors, pense d'abord à vous deux, pense à ceux que vous connaissez depuis 3 ans. Une vieille amitié comme la vôtre mérite d'être privilégiée. Aussi, si A préfère te voir en tête à tête ou en queue à queue, ne lui refuse pas ce plaisir qui est finalement très légitime et très naturel. C devrait comprendre cela et ne pas t'en vouloir, sinon cela prouverait qu'elle n'est pas digne de l'amitié que tu lui as donnée. Donc,
Nous te conseillons de lui exposer clairement les problèmes que tu as avec ton pénis et de lui dire que tu tiens leur affection à tous deux, mais que tu préfères les voir séparément, que tu n'es pas finalement une farouche amatrice et des partouzes à plusieurs copines. J'ai 14 ans. Il y a 2 mois, j'ai eu des rapports sans contraception avec un garçon. J'ai ensuite eu mes règles à la date prévue. J'étais donc rassurée quant à une éventuelle grossesse. Mais ce mois-ci, rien. Je suis à mon 10e jour de retard et j'ai peur d'être enceinte. Mes amis me disent que c'est impossible, mais moi, j'en doute. Aussi, je vous en supplie, donnez-moi votre avis dans un tout prochain numéro. Merci. Le fait que tu aies eu tes règles après ces rapports semble prouver que tu n'es pas enceinte. Avoir 10 jours de retard et même plus est quelquefois d'assez banal perspective lorsqu'on a 14 ans, car à cet âge-là, les cycles sont très souvent irréguliers. Maintenant, il faut savoir que dans certains cas, très rares bien entendu, il peut y avoir une grossesse même en présence de règles, car elles sont soit trop courtes, soit trop longues, comme les pénis de certains garçons, trop ou pas assez abondantes, bref, elles sont différentes de celles habituelles. Maintenant, si tu as un doute, tu peux aller dans n'importe quel laboratoire pour faire un test de grossesse. Pour cela, munis-toi d'un flacon contenant tes premières urines du matin et puis un peu de sang que tu auras recueilli à l'intérieur de ton vagin, que tu auras au préalable frotté avec un peu de toile à émerie ou de tampon à récurer la vaisselle. Et pour une 50aine de francs, tu auras la réponse à cette question, à ces angoisses que tu as chaque matin en te réveillant lorsque tes draps sont tachés et que tu ne sais pas si tu es enceinte ou non. Enfin, si tu envisages à nouveau d'avoir des rapports et auparavant une contraception sérieuse, la pilule par exemple, ou la capote, ou alors un contraceptif encore plus répandu de nos jours, surtout en Chili, le fil barbelé autour du pénis. Cela t'évitera de te stresser autant après. Depuis 3 mois environ, lorsque je les palpe, mes seins sont douloureux. Je suis allée consulter mon médecin à ce sujet. Il m'a dit que ce n'était rien. Il m'a cependant prescrit un gel à mettre sur ma poitrine. Ce gel est sans effet. Je m'inquiète de plus en plus. Croyez-vous que je puisse avoir un cancer? À toute fin utile, je vous signale que j'ai eu mes règles pour la première fois il y a 18 ans. Cela peut-il avoir un rapport avec mes seins douloureux? Merci de me répondre. Franchement, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Il ne s'agit absolument pas d'un cancer. L'explication est beaucoup plus simple, puisque tu as eu tes premières règles il y a 18 ans. On peut dire que tes ovaires se sont véritablement et vigoureusement mis en état d'hibernation, donc. Et elles se sont mis à arrêter de produire des hormones sexuelles, et en particulier des œstrogènes. Les seins sont de formidables récepteurs à œstrogènes, et lorsqu'ils en détectent dans le sang, ils se mettent à pousser, et bien sûr, ils sont sensibles au toucher. Lorsque tu te fais palper par ton ami, tu remarques que tes seins peuvent gonfler. Ce n'est pas que tu as mal et qu'ils ont enflé parce que l'on t'a frappé dessus, c'est tout simplement parce qu'ils sont sensibles à ce genre de palpation. Quand tu palpes les tiens, il n'est donc pas étonnant que tu aies des sensations de douleur. Ton médecin a bien compris le problème, puisqu'il t'a certainement prescrit un gel à progestérone. La progestérone est l'autre hormone sexuelle que les ovaires fabriquent. Si le gel n'est pas suffisamment efficace, tu pourrais peut-être éventuellement te faire prescrire un petit peu de vaseline ou de l'huile de tournesol, en plus bien sûr des comprimés de progestérone. Mais uniquement si tu as réellement mal à la poitrine et pas uniquement dans ta tête, attention. En te persuadant à tort que tu souffres d'une maladie grave, tu pourrais peut-être un jour avoir cette fois-ci de graves problèmes sexuels et tu pourrais même voir ta poitrine se désagréger comme sucre dans café.
Je suis un fidèle lecteur de 14 ans et je vous félicite pour votre rubrique qui est vraiment utile aux jeunes, filles ou garçons. Mon problème, si j'ai des poils sur le pubis, les jambes et un peu sur la poitrine, je n'en ai absolument pas sous les bras. Est-ce normal? J'en doute un peu car mes copains, eux, en ont. Merci de me répondre et ne m'en veuillez pas de mon vocabulaire que vous trouverez peut-être un peu vulgaire. Tout d'abord, sache que je ne trouve pas du tout ton vocabulaire incorrect. Poil, pubis, salope, grosse cochonne, salope et couille au bas-ventre ne sont pas des mots vulgaires, surtout employés dans le cadre de cette rubrique. D'autre part, ne t'inquiète pas, tu es tout à fait normal. Le fait que tu aies des poils dans la région du pubis, au-dessous des oreilles et au-dessus des yeux, eh bien, c'est tout à fait normal et plutôt ça doit te rassurer quant à ta parfaite sécrétion de tes hormones mâles, en particulier des testostérones. Les poils sous les bras viennent plus tard. Certains garçons, eux, ont des poils à cet endroit-là avant même d'avoir des couilles, ou ailleurs d'ailleurs. Donc, je le répète, ne crois surtout pas que tu aies quelques complexes à avoir en raison de ces problèmes de poils vis-à-vis de tes camarades. J'ai 13 ans et mon tour de poitrine n'est que de 225 cm et 8 mm. Pourtant, lorsque je fais du cross-sport que je pratique régulièrement, ma poitrine ballotte un peu, même si j'essaie de la mettre en bandoulière. Aussi, croyez-vous que je doive mettre un soutien-gorge? J'hésite. D'autre part, mes poils pubiens, ceux des narines et ceux des oreilles, sont très longs et plutôt raides et fourchus. Est-ce normal? Dois-je couper les fourches pour qu'ils repoussent plus beau? Merci de me répondre. Lorsque l'on fait du sport, du jogging, du cross, de l'équitation, de la baise ou pourquoi pas autre chose, et même si l'on a peu de poitrine, il est recommandé de porter un soutien-gorge et une petite culotte pour préserver la pudeur des gens qui pourraient te mater dans les vestiaires. Sinon, les seins, quelle que soit leur forme, vont forcer la peau qui les soutienne et cela provoquera des vergetures. Quant aux poils pubiens, il n'y a pas de standard, il y a des poils de 3, de 4, voire 7 mètres, et il y en a d'autres de 5, voire 6, voire 7 mm. Donc ne sois pas très inquiète, ce n'est pas bien grave, il en est des longs, des courts, des plus ou moins frisés, etc. Il n'y a là aucun signe d'anomalie et tu n'as aucune raison de te faire du souci à ce sujet, sauf si, bien entendu, tes poils dépassent 7,50 m. Dans ce cas précis, nous te conseillons de les faire friser, ainsi ils prendront un peu moins de place dans ta petite culotte.